Non, c'est des présidents people, c'est des présidents d'un nouveau genre. Ce n'est pas des politiques qui ont des parcours particuliers. Moi, je n'ai raconté que ce que j'ai lu ou entendu sur les journaux people. On a quand même affaire à des lascars qui sont très, très imbus d'eux-mêmes, très sûr d'eux, et surtout qui sont là pour l'intérêt que ça leur amène et apporte. Ils ont quand même, après, on continue à les carmer, nous, quand ils sont partis. On les paye encore. Ils ont le garde du corps, ils ont le chauffeur. C'est des belles situations. On les comprend. Le problème, c'est que le pays est dans un chaos total et qu'il faudrait quand même avoir aujourd'hui de l'espérance sur quelqu'un. À partir de là, quand un garçon comme M. Sarkozy a eu envie d'être président de la République à l'âge de 16 ans, je sais pas, nous on avait envie d'être pompiers ou je sais pas, des trucs normaux, quoi. Il y a dans son parcours politique, à part quand il s'est fait remettre en place un peu par Poutine, histoire de quand même de savoir à qui on a affaire, j'ai pas tellement de souvenirs de ce qu'il a pu faire, si ce n'est qu'on me dit aujourd'hui il a supprimé 15 000 postes de policiers, les places d'hôpitaux, les machins. Après, Flamby, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le Karcher, c'est pas moi qui l'ai inventé. Gauler en scooter pour rejoindre sa blonde, c'est pas moi qui l'ai inventé.